Yop, tout le monde, c'est Mlercet, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, car je suis sur Soulmonde. On se retrouve pour les missions du jour du vendredi 8 octobre. Donc on est en fin de semaine, on va dire, là c'est le week-end ce soir, du coup, tranquillement. Vous pouvez du coup profiter de votre week-end pour faire n'importe quoi, donc c'est plutôt cool. Faire des soirées, faire des... Peu importe, retrouver votre petit copain, tout ce que vous voulez. Mais c'est cool. Moi évidemment c'est pas ce que je vais faire, moi je suis solo, ok? Non tranquille, on va pas se plaindre. Donc là vous pouvez le voir déjà à Fontainebleau il y a deux missions à bug. Une à 25, enfin les deux ils sont à 25 mais genre une 25 ici avec 550 XP sur l'écran. Ah c'est beaucoup hein. Avec un peu de gouttes de pluie donc ça va donner 10 gouttes de pluie quoi, c'est énorme. Et là encore une fois bah 10 gouttes de pluie justement avec les tickets et les bonbons donc ça te fait 100 bonbons pile donc c'est plutôt cool. Tu vas pas aller loin avec ça. Mais aujourd'hui, si vous voulez savoir, vu que je sais déjà, y en a 4 hein, des missions V-Buck. Donc là, je vous ai montré 2 à Fontainebleau. J'imagine qu'il y en aura d'autres un peu plus haut. À Morne ou à Pic, j'imagine, vu qu'à Villeplanche, il n'a pas l'air d'en avoir une. Ah bah si, là, justement, en ville. Non, en banlieue, pardon. Donc banlieue, c'est pas mal. Au moins, tu peux farmer des voitures et tout. Si tu veux farmer le métal, c'est plutôt pas mal. Donc t'en as 30 des tickets ici avec 4180 XP d'héros, mais ça on s'en fout, il y a un peu de foudre en bouteille. Bon c'est pas fifou, mais c'est toujours ça d'intéressant. Bon si toutes les missions V-Bucks sont dans Villeplanche et Fontainebleau, c'est pas ouf vu que ça en donne pas trop non plus. Bon moi c'est des tickets évidemment. Donc pieux de sol rétractable ici en épique, pourquoi pas, ça peut être utile hein. Plafond toxique aussi, ça peut être utile pour un mec qui commence le jeu. Rôtisseur en rare aussi, hein, ça fait le taf. Hein. Là, il y a des petites armes. Oh, celle-là, elle est intéressante cette mission-là avec 150 d'écureurs. Hein. Les écureurs, c'est assez chaud à farm, donc en vrai. Enfin, non, c'est pas dur à farm, mais t'as capté. C'est pas en mode il y a des fois 4 ou quoi, tu vois. Flambeur Windortech ici en épique avec un petit frappeur Sourceville en épique. Tu connais les bails, ils sortent tout le temps ces armes-là. Leader survivant épique, ça peut être utile hein, si t'as pas de légendaire et que t'as un épique qui peut assortir à tes sections. Ça fait quand même le taf en soi. Pour le début, ça fait le taf. Et la dernière mission V-Brac, donc elle est à Morne. Donc c'est du livrer la bombe en ville, donc là encore une fois si tu veux farm briques et métal c'est plutôt intéressant comme mission, donc là honnêtement ça va partir en aventurier pour quasiment toutes les missions là je pense au genre de V-Buck là. Donc voilà là il y a une petite charcuteuse en épique, pourquoi pas, c'est éclaté mais je vous le dis quand même, petite clé à cliquer. Un petit truc à 200 manuels ici avec un survivant épique et un Luna bagarreuse en épique, donc un héros qui ne sert strictement à rien, mais bon, ça reste intéressant hein, pour les manuels à faire cette mission. Donc je regarde si j'ai pas loupé des trucs, mais normalement non. Donc y a pas grand chose aujourd'hui, enfin il y a quand même 4 missions de bug, hein, les gars. Donc si tu fais le calcul, tu te retrouves à 25 et 25, ça fait 50. Plus 30 ça fait 80 plus 35 ça fait 115 115 ouais c'est pas ouf au final en nombre de V-Bucks mais voilà ça fait quand même 100 V-Bucks gratos juste à jouer donc c'est plutôt cool. Là il y a un petit serin épique avec 36 gouttes de pluie, là il y a une petite mitrailleuse légère au mercure. Petit x4 foudre en bouteille avec 36 seuils du cyclone, honnêtement ça peut être sympathique à faire. Petite Scar en légendaire également. Pour un moyen niveau, tu sais, qui est genre puissance 80 par exemple. Faire cette mission, elle est intéressante. Tu vois, pour monter un peu. Même si t'es puissance 100, c'est bien aussi. Hein. Tu fais cette mission plusieurs fois pour les foot, ça peut faire le taf. Donc là, il y a encore une fois une arme légendaire avec 60 gouttes de pluie. Donc là, c'est la tempétueuse. Cette mission, elle peut être intéressante aussi, un peu déculège. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, hein, mais ça en donne 194 plus encore un petit peu avec des épiques. Donc c'est plutôt pas mal. Ça peut être intéressant. Mura fléchette en épique. Pas mal de pièges en épique hein, aujourd'hui. Donc ça, c'est deux petites missions pour des XP de schéma, mais c'est pas intéressant. Mais il y a quand même là 69 foudre en bouteille et là 164 gouttes de pluie. Ça peut être intéressant. Pulvérisateur en épique, ouais, c'est débile.
sur Roy Pick ici. Défenseur légendaire, donc ça fait des manuels d'entraînement. Et ça, c'est sniper, hein, si je me trompe pas. Donc x3 d'éculège avec un petit épique, ça peut être sympathique à faire également. Petit x4 fond d'embouteille, encore une fois, avec 297 récupérateurs, ça peut être intéressant également. Après ça, c'est pas fifou, mais là, il y a quand même un 200 gouttes de plus, donc ça peut être sympa. Si t'as juste un petit héros à améliorer, genre, et tu veux l'améliorer rapidement, ou une arme, hop, un petit 200 gouttes de plus, ça suffit, tu peux te l'améliorer en 130, tu vois. Donc, ouais, ça peut être sympa, tu vois. Colonel Lynx ici avec 90 gouttes de plus, ça peut être intéressant. Petit surrang épique en épique. Surrang en épique en épique. Ça va vous? Je suis un peu con dans ma phrase là. Donc là on arrive directement sur les 144 joueurs. Donc première mission, livrer la bombe en banlieue anti-automale, pardon. x4 XP de héros. Avec des récupérateurs, donc 369. Tu connais les chiffres maintenant, tu dois les connaître par cœur. x4 fragments de tempête pour aller évacuer le refuge en parc industriel. Donc 363 400 XP de survivants. Et pour se finir, la petite x4 fragments de tempête avec 61 U du cyclone. Honnêtement, cette mission peut être sympathique. Donc c'est une chevauchée la foudre en ville fantôme. Donc tu construis en briques, hein, n'oubliez pas. Donc là, on va directement passer sur les 160 aujourd'hui. Donc il y a une petite x5 foudre en bouteille qui peut être intéressante. Donc vous construisez en métal, récupérez les données. Donc c'est sympathique en fulgurou de 99 avec 273 680 XP de 0. Waouh, ces chiffres sont incroyables. x5 récupérateur, pardon, avec le refuge en lac. Et là, encore une fois, tu construis en briques sans pression. Donc c'est le même chiffre hein, pour les XP de schéma de héros, pardon, 273 680. Donc t'as juste à retenir en vrai. Après on arrive sur l'avant-dernière mission, évacue le refuge ville fantôme, encore une fois avec un x5 œil du cyclone avec 38 fragments de tempête. Bon, les fragments de tempête on s'en bat les couilles un peu. Et après pour se finir, petite chose la foudre en zone tropicale que tu construis en métal ou en brique, peu importe, celle-là avec un petit x5 XP de héros avec 300 DQ épique. C'est plutôt de la merde les 160 d'aujourd'hui. Les 4 de hier, elles étaient vraiment bien. D'ailleurs, je les ai fait plusieurs fois tous. J'ai fait 10 des 160. J'ai fait 2 de chaque et les deux fois 5 gouttes de pluie qu'il y avait hier, je les ai fait 3 fois. Du coup, je me suis mis plutôt bien en gouttes de pluie. Moi, je les ai tous utilisés pour améliorer ma collection. Je vais vous montrer ça vite fait. Donc, tu vois, dans collection, j'ai amélioré en fait tous mes armes épiques. Regardez. En 122, quasiment tous, bim bim bim. Là aussi, Vindortech, bim bim bim. Anéon, bim bim bim. Et là, il manque plus que. Non, hydraulique, j'ai fini aussi. Il manque plus que les rafistolages. Les rafistolés, il m'en manque 4. Donc, qui fait, je vous laisse calculer. J'entends pas. 600 gouttes de pluie. Ah oui, tu fais 150 x 4. Ah oui, ça fait 600 gouttes de pluie. Donc, j'ai 600 gouttes de pluie. J'améliore les petites armes épiques. Puis après, il faudra que je fasse les légendaires aussi, mais pour l'instant, je fais juste les épiques. Si vous vous demandez pourquoi je fais ça, c'est parce que j'ai énormément de motifs d'armes, autant les utiliser, tu vois. Et voilà. Et vu que j'ai des gouttes de pluie, j'en avais pas mal et tout. Là, il m'en reste 126, tu vois, donc c'est plutôt pas mal. Je sais que ça sert à rien de faire ça en soi, vous allez me dire, mais pro, tu utilises et tout, mais je suis quand même niveau 500 de collection bientôt. Et regardez, dans 3 niveaux, encore une fois, j'ai des manuels ou des trucs comme ça, tu vois, ça peut. C'est toujours intéressant d'avoir ces choses-là. D'ailleurs, en piège, il faut que je fasse quoi? J'ai déjà amélioré tous les épiques, ouais. Voilà, je commence les légendaires aussi. Mais tu vois, motif de piège, c'est assez chiant à avoir. Vous voyez que j'en ai que 823 par exemple. Donc pour l'instant, je focalise pas les trucs de piège, je focalise plus les trucs de héros. Oh, tiens, il y a 2 lamas gratuits. Plutôt intéressant. Bon, avant que j'ouvre les lamas gratuits, du coup, je vais vous montrer ce qu'il y a en aventure, pardon. Donc en aventure, petite fois 4 récupérateurs ici, on répare le refuge dans la zone marais avec 28 fragments de tempête. Ça peut être intéressant. Là, vous construisez en métal, évidemment, vu qu'il y a un petit ronge-mur qui peut être assez chiant. Et la deuxième x4, elle donne x4 fragments de tempête avec 61 œil de cyclone. Donc là, encore une fois, tu construis tranquillement en métal, même si je sais que c'est assez compliqué d'avoir du métal en aventure. Là, x4 décuplateur légendaire avec 162 800 XP de schéma. Donc ça peut être intéressant. Là, tu construis en briques, évidemment. Donc là, c'est plutôt
raisonnable, vu que la brique c'est assez simple à avoir. Encore une fois, un défenseur légendaire, donc pour les manuels d'entraînement, ça peut être intéressant. C'est fusil à. Fusil. PM et pistolet, pardon, j'ai bégayé. Petite chevauchée à foudre ici avec x4 œil du cyclone avec 53 œil du cyclone. Donc là, si tu veux farmer les œil du cyclone, c'est une mission plutôt pas mal, on va pas se mentir. Et là, encore une fois, tu construis en brique vu qu'il y a range métal. Après, là, il y a quoi? Il y a du petit tâcheron. Oh, cette mission elle est un peu intéressante. x2 en DQ épique et légendaire avec 235 DQ épique. Ça peut être sympathique et tu construis en métal. Ah, construire en métal en catégorie 4, ça fait mal, hein. Il faut qu'il y en a un ou deux en l'air, hein, quand même, histoire d'économiser un peu des ressources. Donc là, il y a des petits trucs sympathiques en épique, des petits pièges, des petites armes, pourquoi pas. Petite éplucheuse Windartech en légendaire, une étripeuse en légendaire également. Et pour se finir, une petite x4 œil du cyclone, encore une fois, on évacue le refuge que tu construis en briques avec 127 600 XP de héros. Donc voilà pour ce qui est des missions d'aujourd'hui. Donc elles sont pas si ouf que ça. Bon, le quotidien pour les donjons, si vous voulez savoir ce qu'il faut faire, c'est grotte aujourd'hui, vu que c'est chez tout le monde pareil. Donc aujourd'hui c'est grotte. Donc je pense que je vais faire, au moins je finis ça, je finis les 3 mini-boss à tuer et le petit dernier, hop, et au moins je fais 3 et ça me fait 500 bonbons, plus 150, plus 200, donc plus 100. Donc ça me fait. Je peux m'ouvrir de lama facile, du coup c'est plutôt que sympathique. D'ailleurs, en parlant de lama, j'en ai pas aujourd'hui, mais vu qu'il y a les gratuits, je vais vous ouvrir les gratuits. Mais c'est pas intéressant vu qu'on voit déjà. J'aurais trop kiffé qu'on puisse pas voir et au moins je peux vous ouvrir des lamas en mode let's go. Enfin, du coup, c'est intéressant les lamas cauchemars à ouvrir. Au moins, vous avez cet effet de surprise. Donc là, dès que je vais faire carré, ça va afficher le deuxième. Est-ce que je vais avoir un truc? Non, bah non, ça va être. Ça va être de la merde, mais bon, c'est 0, donc c'est cool. On ouvre quand même, tu vois. Ça fait un peu de motif, j'allais dire, mais non, pas sur celui-là. Pas sur celui-là. Mais sinon, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui, les missions. Ouais, je fais des missions assez longues à chaque fois, vu que je parle, mais au final, je dis pas grand-chose, mais voilà. Donc sinon n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Discord principalement si vous voulez discuter, me demander de l'aide sur Sauver le Monde ou peu importe ce que vous voulez me demander, ou même jouer sur d'autres jeux, hein, pas qu'avec moi, hein, avec les autres membres du serveur, si vous êtes joueur BR, mode créatif, ou même d'autres jeux que Fortnite, hein, si vous êtes joueur FIFA, Rocket League, Paladin. Call of Duty, GTA, peu importe le jeu en vrai, vous pouvez rejoindre mon serveur. C'est pas un serveur uniquement sauver le monde. Enfin, à la base, si, mais en vrai, vas-y, go ouvrir les autres jeux. Au moins, vous pouvez littéralement. Venir, peu importe le jeu. Voilà, j'ai bégayé, je sais pas ce que je voulais dire de base. En fait, j'ai bégayé, là, j'étais dans. Je vais où en fait? Il y a 40 chemins, je prends lequel en fait, tu vois? Non, en vrai, c'est ça. Et puis, si vous n'avez pas Discord, n'hésitez pas du coup à me follow, enfin, me suivre plutôt, vu que follow non, sur Instagram ou Twitter. Et au moins, vous pouvez me discuter et parler avec moi. Donc mon Twitter, je l'ai pas mis en description de ma chaîne YouTube, donc si vous voulez aller sur Twitter, c'est un peu baisé. Mais en gros, c'est DeGringoMuller7, normalement j'ai changé mon Twitter, c'est ça. Et Insta, bah, c'est Muller7 tiré du bas YTB, normalement, si je me trompe pas. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, et sinon, n'hésitez pas même à m'ajouter sur Snap en vrai. Sur Snap, ça peut être sympa, on peut s'envoyer des photos, tout ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, ou même des petites vidéos si vous voulez pour parler et tout, me poser des questions et tout, ça peut être sympa. Donc je pense que j'ai tout dit, n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire et évidemment à vous abonner à la chaîne hein, tout simplement pour savoir quand je suis en live ou quand je sors une vidéo tout simplement. Mettez la même la petite cloche si vous voulez. Et puis en vrai il manque 3 abonnés pour être à 850, donc n'hésitez pas à partager en masse pour que j'atteigne ce chiffre que j'attends depuis maintenant un mois ou deux. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça.
Ça me ferait super plaisir. Et sinon, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à faire tout ça, quoi. Je sais même pas ce que je dis. Là, je bégaye. Là, au moment où je bégaye dans la vidéo, c'est qu'il faut que je l'arrête, tu vois. Vu que là, ça fait déjà 15 minutes, je crois. Donc voilà. J'essaye de faire entre 10 et 15, mais à chaque fois, vu que je parle, je parle, je parle, et ça part en couille, tu vois. Après, je pourrais faire du méta, tu vas me dire, et couper les moments où je bégaye, tu vois. Mais non, j'ai pas envie, ça me prendrait du temps pour rien. Donc voilà. Et si vous demandez aussi pourquoi j'ai moins 40 de V-Bucks, vu que de base j'avais 2300, c'est tout simplement parce que j'ai repris dans la collection et j'ai changé mes sections. Regardez. En fait, les 4 premières, pour moi, elles sont parfaites, tu vois. Pour vous, non, vu qu'il n'y a pas de la durabilité partout. Mais pour moi c'est parfait. Du coup j'ai changé, j'ai mis ça. Donc là j'ai focalisé plutôt le piège, mais je pense qu'il faudra que je change les trois là et que je mette de la compétence pour que ça rentre bien. Mais sinon j'ai mis le soin et il me faudra que je remplace par le gadget durabilité des pièges. Ici du coup j'ai changé, j'ai mis les deux boucliers, il me faudra de la régénération comme il y a écrit en haut. Et il faudra que je change les trois là et que je mette piège. Enfin, dégâts au piège ou compétences, mais je pense dégâts au piège, il faudra que je trouve ça. Ici, bah, j'ai laissé du coup mêlée, mais je peux partir sur de la distance aussi. Je les ai déjà en plus, regardez. Si je vais, j'ai déjà les deux distances, donc je pourrais mettre les trois distances directement. Et je suis en full PV. Enfin, PV et bouclier, du coup, vu que c'est une section offensive, je me suis dit pourquoi pas focaliser ça et ça. Et ici, je suis parti sur du PV. Donc il faudra que je change les 2 PV et ici il faudra que je change les 3 bonus de dégâts au piège et que je mette mêlée ou dégâts. Mais le truc c'est que j'ai pris un risque en faisant ça, ce choix là, parce que en fait en coopératif je pense que trouver en bonus de dégâts distance ou mêlée ça va être très très dur. Mais pour l'instant je laisse comme ça. Voilà, c'est juste pour avoir en fait full 2-2-2-2-2-3, tu vois, full jaune. J'avais juste envie d'avoir une section où c'est full jaune, tu vois, c'est parfait, tu vois. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Enfin, si, c'est le cas, mais genre, c'est pas dans l'idée que je me fais de sauver le monde, tu vois. En vrai, je m'en fous d'être en full Jura ou quoi, je veux juste être en, comme il me dit, en haut, tu vois. Comme c'est affiché en haut, tu vois. Dans ma tête, c'est comme ça, tu vois. J'équilibre mon jeu, même si ça sert à rien, tu vois, dans l'idée. Mais de toute façon, bref, de toute façon, c'est mon jeu, tu vois. C'est mon jeu. Bref, je vous laisse là-dessus. J'ai encore vrillé pour dire un sujet que je voulais pas. Bref, je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain ou tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Ciao!